Bonne année honorable. Groupe de mots prononcés avec vigueur par les nombreuses personnes présentes ce samedi 18 janvier 2020 au majestueux domicile de Jean-Marie Ngakoumda, homme politique et homme d'affaires de renommée nationale et internationale. Reconnu d'utilité publique de par son incalculable solidarité, son esprit de partage et sa constante magnanimité à l'endroit de la société au sein de laquelle il se déploie quotidiennement. Ce digne fils du département de la Lekki, arrondissement de Vodoula dans la région du centre, n'a en effet jamais eu de cesse de promouvoir et de cultiver le vivre ensemble et le manger ensemble. Résultat, cet immense jardin, aujourd'hui concrètement constitué, des écoles construites ou en voie de l'être, grâce à son dynamisme, son plaidoyer gagnant auprès de l'administration camerounaise. La réalisation avec financement propre, au bénéfice de tous, de ponts et tronçons de route à Yaoundé 2e, son actuelle circonscription politique de compétences, des dons d'ordinateurs et autres matériels didactiques dans des écoles, la création d'entreprises à l'instar de la Société Générale de Transit et d'Enlèvement ou encore NB Media, groupe de presse précisément prolixe, avec à la clé la radio, la télévision et la presse écrite, sans oublier ses nombreux présents et assistances individuelles en numéraire servies en permanence à toutes les personnes qui, de façon régulière et même continue, sollicitent son appui. Rien d'étonnant dès lors que différentes communautés s'engagent à venir lui adresser sur place et de vive voix leurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Jean-Marie Ngakoumda mérite assurément de telles attentions et égards des siens, notamment cette délégation indo venue de son village natal. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour lui dire bonne année. Quand un des nôtres, même individuellement, avait un problème, il nous assistait matériellement. Et on lui dit que nous n'avons jamais oublié qu'il nous a donné un CS. Il nous a donné. Il nous a fait un don de 20 chaises à notre association. Il nous a même donné une école bilingue. Nous ne pouvons pas citer. L'honorable Ngakoumda Jean-Marie, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui n'a pas d'égal. Cette communauté mbamoise, vivant dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, son actuel chef politique, ou encore et surtout, l'association Etonbeti, amenée en balafon par Sa Majesté Ngama Modeste, chef du mythique quartier Mokolo 1, qui abrite entre autres le plus grand marché d'Afrique centrale. L'association Etonbeti, venue certes souhaiter une heureuse année au couple Ngakoumda, mais qui en a profité pour faire de l'honorable un patriarche de renom. Pas moins de 4 chefs, 4 gardiens de la tradition, pour faire de l'illustre fils des Vodoula le désormais président d'honneur de leur regroupement, avec à la clé la remise de tous les attributs traditionnels y relatifs. Majesté Onana Gaston, Namunna. Jean-Marie Ngakoumda, à ta gueule tardi. Oui, Kayouni Pampana. Ou tu Kayouni Pampana. Non, le paradis, pardon. Honorable Ngakoumda, là, il m'a dit mon abat, il m'a dit mon quoi, il s'agit à vous. On est plus beau, il n'y est beau. J'en veux. Et tu en veux-tu? Et tu es petit? Non, moi. Et tu es petit? Bonjour. Jean-Marie Ngakoumda. Et
Et à compter de cette date, installé officiellement par le président de la communauté Eton Beti, président d'honneur. Avis donc aux pêcheurs en eau trouble qui devraient désormais bien se tenir toutes les fois qu'ils auront en face, derrière ou à côté d'eux, cet homme dont les œuvres sont décidément inquantifiables. Tout pouvoir venant de Dieu, parole a ensuite été donnée à un prêtre de Jésus-Christ pour son onction en prière. Tout ce cérémonial terminé, l'honorable Ngakoumda pouvait alors valablement s'exprimer pour rendre grâce au Seigneur et par suite dire merci à l'assistance, lui qui a appelé toute la famille politique du RDPC à aller massivement voter le bulletin de couleur blanche le 9 février prochain. Ce, malgré les manœuvres, les incongruités qui avaient contribué à ne pas retenir son nom sur la liste RDPC des législatives pour l'Umfundi. Malgré qu'on m'ait sorti, malgré que j'ai pris le nom de Ngakoumda Jean-Marie disqualifié, malgré que les catéchistes du RDPC ne veulent pas de moi, je demande à tous ceux qui sont ici d'aller voter pour le parti du RDPC. De toute évidence, et cela ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, le président de la République avait vu juste en l'élevant à la distinction de commandeur dans l'ordre du mérite camerounais. Véritable honorable et fier de l'être, Jean-Marie Ngakoumda, qui a reçu et n'a pas oublié de donner à son tour. Je voudrais dire à tous ces gens qui sont venus, à d'autres qui n'ont pas eu le temps d'être là, que ce n'est pas parce que les catéchistes, je veux dire les catéchistes vous ont chatouillé, que vous allez perdre la foi. Donc en fait, j'ai eu des problèmes dans la mise en place de la structure des gens qui devaient compétir. Ils m'ont encore disqualifié. Moi je pense que quand on est dans une religion, nous gardons la foi. Parce que c'est pour cela que je dis ici solennellement que tous ceux qui sont avec moi, qui croient en moi, qui peuvent encore bouger pour le RDPC, qu'il bouge pour le RDPC pour qu'on soit vainqueur dans ces élections.